Donc, ma maman, enfin, ma maman, on a acheté donc le programme. Je sais pas si vous voyez, mais il est énorme. Les gens, c'est carrément un bouquin. Donc, avec ma mère, on se disait, ça fait de la pub. On se disait, waouh, 20 euros, c'est cher pour un programme parce qu'on avait vu sur la. Enfin, moi, j'avais vu sur la boutique et tout. Ça paraissait pas super gros. Je me suis dit, ouais, 20 euros, c'est cher parce que quand vous pensez que on paye 10 euros pour un programme, par exemple, je sais pas si vous êtes allé déjà voir des balais ou quoi. Donc voilà, les programmes sont à 10 euros. Tu t'es dit, ouais, c'est super cher et tout. Sauf que non, le truc, c'est regarder les gens. Il est the big. T'as plein de photos, t'as quand même des trucs et tout avec les personnes. Et donc, pour vous raconter vite le truc, moi, donc j'y suis allée et tout. Au passage, ma maman m'a acheté un mug aussi. Un magnifique mug avec les personnes. C'est trop cool. Donc nous avons. Attendez, si j'arrive à vous les montrer parce que c'est chaud. Nous avons Charlie Boisseau, donc Lancelot. Zao. Elle fait Morgane. Florent Motte, ici, le roi Arthur. Camille Lou, la reine de Nièvre. Fabien Cardona, le méchant, mais les Hagans. Le seul, c'est dommage, je trouve qu'il n'est pas vraiment habillé comme dans le spectacle, ce qui est un peu dommage en fait. C'est donc, je sais pas si vous le voyez, c'est David Alexis, donc Merlin. C'est un peu dommage, mais bon. Donc, et dans le programme, en fait, pour vous résumer, donc on est allé voir le spectacle et tout, et je me suis fait deux amis, donc de Montpellier. Bonjour au sud, au passage. Et donc, on a sympathisé et tout, elles étaient devant et elles m'ont dit, ouais, à la fin, si tu veux venir nous rejoindre devant quand ils font le salut et tout, faut que tu viennes vite. Parce que moi, pour vous expliquer, j'étais un peu derrière en fait. J'étais au niveau de la catégorie 1, donc tout derrière ceux qui étaient devant. Bon, c'était bien puisque j'avais personne devant, je voyais toute la scène, c'était cool. Donc j'avais pas besoin de bouger la tête pour voir les gens et tout, mais c'était. Enfin bon. Et elles m'ont dit, bah viens, comme ça tu verras les artistes de près. Alors déjà, je peux vous dire que voir une comédie musicale en vrai, c'est un truc de fou. Mais se dire qu'à la fin du spectacle, tu peux voir les gens limite à 2 cm de toi, je vous le fais pas dire, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, je suis allée et tout. Enfin, vous pouvez pas dire que j'ai gardé ça, mais tout le spectacle. Hein. Tout le temps. C'est un truc de fou. Mais, parce que c'est grave, quoi. Pas comme il. Et donc, je suis allée, je les ai rejointes et tout. Et les gens, quand ils ont salué, genre les danseurs et certains acteurs et tout, donc Yamine et tout, enfin Yamine qui a remplacé, je sais plus comment il s'appelle, le rôle de Ké, le demi-frère du roi, et ben ils étaient à, ouais, limite 5 cm de nous. En fait, quand ils saluaient, ils étaient au-dessus de nos têtes. Ça fait chaud. Et donc après, on est parti vite aux dédicaces. Donc moi, en fait, d'abord, au tout début, vous savez, il y a les Merlins enfin, qui circulent et tout. Plus si je trouve la page où elle est, les danseurs. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? J'ai eu deux autographes des danseurs. Donc je sais pas si vous le voyez bien, mais là-haut. Et de l'autre côté, enfin vous ne le verrez pas parce que c'est par transparence, c'est un peu dommage, mais vous voyez un petit bout qui dépasse là. Vous voyez un danseur. Attendez, on va y arriver. Là, ici. Voilà. Donc déjà ça, je peux vous dire que c'est un truc de fou. Alors après quand on se dit ouais tu peux rencontrer les artistes, tu peux prendre des photos avec et tout, tu te dis merde. Voilà quoi. Ça fait peur. Tu te dis tu peux avoir un autographe et tout. Je peux vous dire qu'il était long juste le truc, le spectacle. Regardez. Enfin, il y a tout ça. Genre dans l'acte 1, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chansons. Acte 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ça fait que le spectacle il a duré 2 heures, donc les entr'actes et tout le bazar. Voilà. Après, tu te dis, ouais, tu vas pouvoir rencontrer les acteurs et tout. Alors, dommage, parce que Florent Motte, Zao, par exemple, celui qui joue Gauvin, donc Dan, Ménèche et Yamine Diop, ils sont pas sortis. C'est un peu dommage, mais bon. Mais, on a vu. Alors, je vous la montre à la fin, parce que c'est un truc de. Je vous raconte les trucs. Nous avons vu Merlin. Donc, David Alexis. J'ai eu mon autographe, regardez, dans le programme. Voilà. J'ai eu mon premier autographe. Alors, lui, c'était le premier. Alors, je peux pas vous dire déjà comme j'ai failli pleurer. C'est un truc de fou. Et après, nous avons eu des gens. Mais c'est un truc de fou. Tout le monde en veut un, mais c'est un truc de fou. Merde. Sans vous montrer l'autographe d'abord. Vous voyez qui c'est? C'est notre ami Lancelot, Charlie Boisseau. Et regardez! Il m'a signé mon programme aussi. Et voilà. Et ça fait deux. Alors après, bon, on en a une autre que je vous montrerai après. Et on s'est dit, non. Voilà. Le méchant, il va pas venir.
Donc notre ami Fabien, une gardona. Vous dites qu'il va pas venir. Bah si. Il est venu aussi. Et la plus belle d'entre toutes, bon, je suis un peu dégoûtée parce que son stylo il a dégouliné, j'ai oublié de le sécher avant. Et bah c'est notre amie Camille, qui malheureusement a, bah, vous voyez, en fait elle a signé là, avec un cœur. C'est la luminosité. Le problème c'est que j'ai fermé le programme ben, avant qu'il sèche son stylo. Et donc c'est un peu dégueulassé sur sa tête là. C'est dommage. Mais bon, voilà, j'ai eu Camille Lou et tout. Et les gens, j'ai pu donc limite parler avec eux, faire des photos et tout. Donc les photos, ben, enfin, je vous ferai peut-être un autre vlog de ce qui s'est passé au mois de juin avec le baquet et tout. Enfin, je verrai si je vous fais ça. Parce que j'ai pas, je peux pas en fait, puisque vous les mettre avec dans cette vidéo, puisque je vais la poster tout de suite là quand je la filme. Mais par mon téléphone. Donc en fait, je peux pas, j'ai pas de logiciel de montage dessus. Puisque je vous ai expliqué en fait dans le. Enfin, c'est pas un vlog, mais dans la vidéo d'hier, que malheureusement, je n'ai pas d'ordinateur en fait jusqu'à la fin du bac. Puisque je dois réviser. Comme on dit, vive la philo. C'est cool. Donc voilà. Et là, faut que je me manie un peu parce qu'il est quand même midi. Il faut que j'avance. Mais la philo, c'est ce que je redoute avec les SES et tout. Mais les SES, ça va, c'est que. Elle est. C'est dans. Enfin, le serpent, là, il y a le truc. Attendez, j'arrête pas dans la tête. Vous voyez le truc que vous détestez, quoi. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir. Oui, si vous vous demandez c'est quoi la luminosité qu'il y a au-dessus, c'est ça. En fait, je vous montre, c'est. Ah, je vais y arriver. Voilà, c'est ma lampe. Voilà, c'est la lampe de bureau, en fait. Parce que si je l'éteins, regardez, j'ai une luminosité de merde. Et les lumières là-haut, ça, là-haut, là. Elles éclairent pas la journée parce que c'est des économes. C'est con, hein? Mais bon. Donc, je suis obligée d'utiliser la lampe de bureau que vous me voyez un petit peu quand même. Je vais finir maintenant. Ouais, et donc voilà. Et donc, on commence tous par la philo. Pardon, c'est la folie chez nous. Et ça va être chaud, mais bon, c'est mercredi, donc dans 2 jours. Je commence à stresser là, c'est un truc de fou. Après, donc, on a les langues. Enfin, non, histoire d'abord, pardon, pour parce que je suis un bac ES, donc. Je ne connais pas tout à fait en fait les épreuves des bacs S et les autres. Donc ben, je suis désolée, hein, mais voilà. Après j'ai langue, donc en LV1, en anglais. SES c'est lundi. Donc ça va, j'ai mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour réviser. J'ai une semaine. Ça fait, quand même. Donc après j'ai LV2 et on finit par maths mercredi prochain, donc le 22. Normalement, le 22, quand j'ai fini mes épreuves, je récupère l'ordi. Enfin, récupérer, je vous ai dit, c'est pas vraiment moi qui l'ai. Enfin bon, faut que je révise. Donc, avoir l'ordi toujours à côté, comme vous avez vu dans les autres vidéos, c'est un peu compliqué parce qu'on est toujours dessus, il y a internet et tout. Voilà, autant les vidéos, elles durent déjà depuis 9 minutes. Ouais, on va y courser parce que sinon, vous suivrez jamais la fin. Voilà, et donc, ben, en espérant que vous m'en vouliez pas trop, parce que les épisodes en fait que je voulais vous poster, ils sont sur mon ordi. Donc je peux pas vous malheureusement vous les poster. Ça viendra donc donc le 22, donc dans une dizaine de jours. J'allais dire une quinzaine en fait, hier, et en fait, non, ça fait 10 jours à peu près. Enfin, ça fait 9. Dans 9 jours. Bon, ça va, vous attendez à peu près une semaine, enfin une semaine et demie. Donc, Mais après, ouais, je serai tout le temps là, puisque j'aurai plus d'épreuves, jusqu'au 5 juillet, bon, à part si je passe le rattrapage. Mais on va dire qu'après, le 22, enfin, le 22 au soir, je suis au barbecue, donc des terminales à mon lycée, donc je pourrais pas non plus être là. C'est 18h à 22h, donc me demandez pas, genre, à 20h ou à 21h, poste-nous la suite, quoi. Je serai pas là. Je pourrais peut-être répondre aux commentaires, mais je pourrais pas poster de vidéo, puisque je serai au lycée, donc là où j'ai été cette année. Et tout, et donc ça va être compliqué. Je pense recommencer peut-être si j'ai mon ordi mercredi après-midi, je vous en poste. Je verrai donc le 22 après-midi, bah après, sinon on reprendra le 23 et tout. Et enfin, je suis là de toute manière, donc j'aurai peut-être une amie à la maison à partir du 25, enfin, une amie à ma mère. Donc, mais bon, ça, je pense que ça gênera pas. Si je fais des vidéos, elle va s'en ficher un peu, puisque. Enfin, à moins qu'elle vienne de l'an, mais voilà. Je pourrais quand même vous parler. Donc, ben. Bah, les voilà, quoi.
J'espère que ben tout va bien, que pour ceux qui passent des épreuves, je peux pas dire à Pondichéry en fait et au Liban, enfin même Amérique du Nord, puisque vous avez déjà commencé. Pondichéry c'est tombé là au mois de mai. Enfin, je crois fin mai ou début avril. Liban, il a suivi pas longtemps après, puisqu'on a déjà eu certains. Enfin, on a fait vos sujets en fait, nous, en préparation ben, en métropole. Enfin, en tout cas pour ma part, dans mon lycée. Je sais pas si les autres l'ont fait. Mais voilà, donc je peux pas trop vous dire merde, puisqu'en fait vous avez déjà fini. En espérant que vous l'ayez, ce serait cool. S'il y a des gens qui me suivent de là-bas. Et pour les autres, ben je vous dis merde pour la semaine qui vient. Que pour certains, enfin pour une bonne partie de la France, il y a les écrits qui commencent, que ce soit pour les brevets, les bacs, donc de première et terminale, ou pour les concours aussi, puisque j'ai également passé un concours il y a une semaine. J'espère avoir les résultats bientôt, enfin c'est que le 24 juin, donc il y a le temps. Mais bon, et voilà, donc ben, je vous dis merde à tout le monde et à une prochaine! Peut-être une surprise, je sais pas. Je verrai si j'ai envie. Salut!